faut que ça atteigne les 50. Combien ça? 50. Hein. Ok. Donc ici c'est mon atelier de confection des ruches. Donc je suis ici avec mes collaborateurs. C'est ici que vraiment nous tenons aussi toutes les réunions pour les prises de décision. Lui c'est Jen Daï, c'est mon technicien. Et lui c'est Jay Amani. Lui c'est mon machiniste. Donc on n'a pas actuellement certaines machines. Donc ce qui fait que quand le bois, quand on a les bois, on envoie d'abord dans une grande menuiserie pour les raboter, pour raboter les planches. Et maintenant, une fois que les planches sont rabotées et dressées, nous les envoyons maintenant dans notre atelier ici. Et le machiniste utilise cette machine là pour pouvoir découper les bois puis maintenant les monter. Le modèle de ruche que nous faisons actuellement ici, c'est seulement que la ruche kenyane. Il y a plusieurs types de ruches, hein, mais nous avons notre choix est porté sur la ruche kenyane parce que dans la sous-préfecture, c'est maintenant que les jeunes s'intéressent à l'apiculture. Donc ce sont des apiculteurs débutants, ce qui fait que bon, avec les ruches Lansot, qui sont des ruches typiquement modernes, elles sont vraiment difficiles à conduire pour un débutant. Mais avec les ruches kenyanes, à barrette du gingembre, ces ruches-là sont vraiment faciles à conduire pour un débutant. Et encore, la ruche kenyane est moins chère par rapport à la ruche Lansot, qui a été vulgarisée par nous démasser. Donc la ruche kenyane, voici comment elle est présentée. La ruche kenyane, les éléments qui sont à l'intérieur sont des barrettes. Gentil. Donc, cette ruche-là porte 22 barrettes. Et cette ruche-là, si vraiment ça produit bien, vous pouvez avoir 25 litres de miel à partir de cette ruche. Maintenant, le poulet, nous avons mis une feuille de tôle pour pouvoir être bien protégé contre l'eau de pluie. Là, comme ça, la ruche aussi ne se détériore pas vite. Ça donne plus une longue durée de vie à la ruche. Voici comment les barrettes se présentent. Donc, quand vous enfumez la ruche pour pouvoir piéger, ce qui est tiré là, c'est pour pouvoir fondre la scie et faire couler à l'intérieur. Comme cela, quand l'abeille rentre, et qu'elle voit qu'il y a de la scie là, elle commence à tisser, elle commence à bâtir à part de là. Voici comment l'intérieur se présente. Puisque l'entrée est là, vous voyez l'entrée? L'entrée est là. Donc une fois que l'abeille rentre, elle va commencer à tisser à partir de ce côté pour aller vers la gauche. Donc ce côté sera le couvain sera de ce côté. Maintenant à partir du couvain nous allons maintenant avoir le miel. En apiculture, c'est pas un problème de temps. C'est un problème de période. C'est un problème de période. C'est-à-dire que si vous faites le piégeage, surtout dans cette période, par exemple, comme nous sommes au centre ici, actuellement, c'est le moment de pouvoir préparer les ruches pour la pose. À partir d'octobre et novembre, le sémage commence. Et maintenant, à partir de là aussi, vous allez avoir assez de seins. Donc, vous commencez votre élevage. Maintenant, comme ici, nous avons actuellement la nacade qui fleurit à partir de cette période. Donc, à partir, il y a aussi les fromagers, les capotiers qui vont aussi fleurir dans cette période. Donc, à partir du mois de janvier à mi-février,
nous faisons déjà une première récolte. Maintenant, la deuxième récolte intervient en juin. Tout cela est fait en bois d'iroko. Bon, ici, on n'arrive pas à avoir ce bois-là parce que vraiment, ici, c'est très cher. Donc, on a un partenaire eau et miel moyen depuis Kourou. Et c'est ce partenaire-là qui nous a fait venir 42 ruches en iroko. Maintenant, cette ruche-là, ce bois-là, ça c'est l'ako. Là, nous en trouvons beaucoup ici. Ce qui fait que bon, là, on a produit toutes ces ruches-là, ici. On a pris ces bois, ici, on les a fait raboter et on les a confectionnés. La machine aussi qui est là-bas, là, cette machine-là, a été donnée par notre partenaire eau et miel, moyen de couteau. Donc c'est une machine à une seule opération, mais au moins ça nous permet de pouvoir faire nos baguettes, débouter les planches pour confectionner les ruches. Donc une fois que nous avons une forte commande, mon équipe est sur place pour vraiment vite assurer les travaux. Actuellement nous avons une commande de 500 ruches. 500 ruches, on a déjà fait 200. On a fait 200. Donc, nous allons payer bientôt encore du bois pour pouvoir assurer les choses pour que d'ici fin du mois de septembre, on puisse boucler notre commande de 500 ruches. Les ruches kenyanes, voilà les largeurs, comment ça se présente. Je vais les produire tout à l'heure, là, à la confection, on va les monter. Donc je vais mettre la machine en marche tout à l'heure. Vous allez voir comment ça se présente. Voilà notre ruche Kenya, on vient de faire sortir comment on les confectionne. Donc voilà ça qui est là. Où ça est là, ça reste à monter, où ça reste, ça reste à le couler sommet puis c'est fini. Okay. La ruche Kenya, vous voyez, elle est très simple à être confectionnée. Il n'y a même pas de figure à faire sur les parois. Or si c'était les autres types de ruches plus modernes, comme les ruches d'Anfrot, les ruches d'Adam, cette machine n'allait même pas pouvoir faire ce travail. Ça va demander une autre machine, au moins à 4 opérations, pour pouvoir tirer les figures, faire les cadres mobiles, vous voyez. Et là, vraiment, c'est difficile pour un apiculteur débutant qui n'a pas d'abord même encore assez de moyens pour pouvoir faire l'apiculture avec ce type de ruche. En apiculture, il nous faut vraiment une tenue de protection contre les piqûres d'abeilles. Ici, nous savons très bien qu'il y a plusieurs qualités de tenue, mais notre choix à porter sur cette tenue, parce que elle n'est pas aussi trop compliquée à confectionner et aussi facile à l'utiliser.
Donc, il y a des tenues qui sont combinées. Bon, souvent, quand, même au cours du travail, l'éclair saute, et puis bon, il est difficile à ce que la pulteur puisse continuer son travail. Donc, notre choix à porter sur cette tenue qui est très simple. Vous avez votre pantalon, vous mettez la vareuse là-dessus. Donc, ce qui fait qu'actuellement, il y a vraiment plusieurs personnes qui nous sollicitent pour pouvoir avoir ce modèle-là. Je pense bien que vraiment, c'est ça, c'est ce modèle-là qu'on doit vraiment vulgariser. Donc, j'ai envoyé d'abord une tenue que j'ai fait venir de l'Europe. Et puis, bon, j'ai donné à mon couturier. C'est par là que vraiment il a pu copier une à deux fois et maintenant il a réussi. Okay. Document. C'est dans ça que j'ai vu ce modèle-là. C'est à partir de là que j'ai vu que, bon, vraiment, il est mieux que Nadab celui-là à tout le monde. Merci. Ouais, c'est ce qui est empilé là. Donc, nous sommes arrivés dans notre rucher. Nous allons prendre les précautions pour pouvoir commencer le travail. Donc, il faudrait que nous avions le kit pour arriver au rucher. Il nous faut une tenue, il nous faut un enfumoir, il nous faut une paire de gants, il nous faut aussi un lève-cadre. Puis bon, on a aussi les paires de bottes. Donc nous allons nous habiller et mettre un combustible dans l'enfumoir. Maintenant, à part de là, nous pouvons aller sur la ruche. Okay. Nous avons l'enfumoir, cet appareil qui est l'enfumoir, ça sert à provoquer une fumée et cette fumée là, ça sert à adoucir les abeilles. Donc c'est un matériel qui est très élémentaire en apiculture. Sans l'enfumoir, l'apiculteur ne peut pas vraiment faire proprement dit son travail. Parce que ça sert à chasser les abeilles. Ça sert aussi à adoucir les abeilles, les rendre moins agressifs. Donc, ce que nous utilisons ici, nous, comme combustible, nous utilisons le copeau de bois. On peut aussi utiliser les râpes de maïs. On peut utiliser aussi les sacs de cacao. Mais nous utilisons le copeau de bois. Il y a un soufflet qui est là. On va souffler tout doucement. Donc, une fois que c'est bien allumé, vous prenez des feuilles vertes. Normalement, ça ne peut pas y aller. Voilà, vous mettez là-dessus comme cela. Fermé. Pourquoi nous faisons ça? C'est pour rafraîchir la fumée qui va sortir. Parce que quand vous mettez les feuilles vertes, la fumée maintenant qui va traverser les feuilles vertes pour sortir, cette fumée là maintenant sera blanchâtre et puis elle n'est pas chaude. Donc nous partons maintenant au rucher.
Donc il faudrait que aussi nous contrôlons bien nos habits si vraiment ça a été bien porté. Bon, allons-y. Avec l'enfumoir, la première opération, c'est d'envoyer un peu de fumée à l'intérieur de la ruche. Donc vous passez devant la ruche, voici l'entrée qui est là. Voilà. Et vous enfumez. Vous voyez, les abeilles commencent à bourdonner. Déjà, elles savent qu'il y a quelque chose. Donc, quand c'est comme cela, elles vont se gorger de miel. Et ça les rend lourdes. Ça les rend maintenant moins agressives. Maintenant, vous attendez un peu. Le temps qu'elles se gorgent un peu de miel. On l'ouvre tout doucement. Cette colonie-là, elle est faible. Mais d'ici peu de temps, elle sera forte. C'est fait parce qu'il n'y a pas assez d'abeilles. Elles viennent de rentrer dans la ruche. Une hausse peut nous produire de 20 à 25 kg de miel. La piqûre, c'est l'art d'élever les abeilles pour avoir une bonne production. Et aussi un miel de bonne qualité, aussi que les autres dérivés, que ce soit la gelée royale, la propolis, les graines de pollen et aussi la cire. Et la ruche, c'est l'habitat des abeilles. Il y a plusieurs types de ruches. Il y a la ruche traditionnelle que nos grands-parents ont pris pour commencer l'apiculture. Il y a maintenant, les ruches modernes, qui est la ruche Lancelot que vous voyez. Il y a la ruche kenyane, qui est la ruche améliorée. Il y a la ruche Vautier, qui est en ciment. Il y a la ruche TTBH. Il y a la ruche d'Adam. Vraiment, il y a plusieurs types de ruches. Mais ici, à Diébounois, nous utilisons deux types de ruches. La ruche kenyane, pour les apiculteurs débutants. Et maintenant, après, si l'apiculteur a une certaine maîtrise, une certaine connaissance, il peut maintenant introduire dans son activité la ruche Lancelot qui est là. Un essaim d'abeilles, c'est la division d'une colonie. Quand une colonie s'accroît, il y a une partie qu'il va quitter après la création d'une reine pour aller quelque part d'autre. Ça qui est l'essaim d'abeilles. Et maintenant, il faut vraiment capturer ces essaims pour faire ton élevage. C'est cela que, d'abord, quand vous avez votre ruche, vous enfumez la ruche avec certaines matières. Ici, nous utilisons les feuilles de brugnard et la bouse de vache sèche. Et cette bouse de vache, nous faisons un trou. Nous mettons les feuilles séchées du brugnard ou bien les graines de brugnard qu'on casse. Nous mettons la bouse de vache et avec un peu de braise. À part de là, la fumée commence à sortir. Maintenant, vous couvrez la fumée avec la ruche. Donc, l'intérieur de la ruche sera embaumé. Il aura une odeur qui va attirer les abeilles. Vous prenez maintenant la cire. Et vous prenez la cire maintenant pour frotter à l'intérieur de la ruche. Les cadres aussi, vous amorcez le cadre de cire. Maintenant, vous partez mettre la ruche dans un tondrable ou bien sur une palette. Et à part de là, cette ruche-là est apte pour piéger un essaim. Quelques temps après, une fois que vous avez fait cela, quelques jours, vous allez voir que votre ruche a pris un essaim d'abeilles.
Et une fois que vous avez, si vous avez plusieurs ruches piégées, et que au fur et à mesure que les ruches sont habitées par les abeilles, vous cherchez un endroit que vous nettoyez très bien comme ça, qui est bien ombragé, qui a un accès facile. Et maintenant, c'est ce lieu-là maintenant qui sera le rucher. Le rucher, ça veut dire le lieu qu'on rassemble toutes les ruches habitées. Donc ici, nous avons déjà nettoyé notre rucher. Nous avons déjà préparé notre rucher. Donc au fur et à mesure que les ruches que nous avons déposées dans différents coins pour avoir les essaims, une fois que nous allons partir les visiter et que ces ruches sont habitées, nous les prenons et nous venons les installer au rucher ici. Bientôt, l'essaimage va commencer. Parce qu'il y a la période où vraiment il y a un bon essaimage. C'est à partir du mois d'octobre. La floraison de certaines plantes commence. Donc c'est pour cela qu'à partir de maintenant, nous commençons la fabrication des ruches, le piégeage, puis maintenant la préparation des ruchers.